dans la salle des mariages de la mairie du 13e arrondissement de Paris en compagnie de Jacqueline Zanavictor, laquelle est la créatrice et la responsable depuis plusieurs années de la semaine italienne du 13e. N'oublions pas que le 13e arrondissement de Paris a représenté pendant longtemps le lieu principal de concentration de l'immigration italienne à Paris. Donc c'est un quartier qui est, pour ainsi dire, italien, et d'ailleurs la mairie du 13e se trouve justement place d'Italie. Alors, encore une fois, on se retrouve pour ce rendez-vous qui est devenu vraiment incontournable pour ce qui concerne la présence culturelle de l'Italie à Paris. Oui, puisque ça fait 17 années que nous faisons cette semaine italienne, Place d'Italie. Elle est attendue par les habitants du 13e et même ailleurs, par les autres habitants. On a, puisque vous savez que le parvis est très vaste, il y a des stands avec, par exemple, la Libreria, donc, qui nous propose chaque année des rendez-vous culturels très intéressants. Vous faites allusion à la Librairie franco-italienne, de la rue du Faubourg Poissonnière. Poissonnière, dont, voilà, où Florence Rowe est la grande prêtresse. Voilà, et comme chaque année, elle nous propose une programmation intéressante. Et il y a différents stands aussi de pâtes, de glaces, etc. Et tous les jours, de 19h à 20h, il y a un apéritif musical. Voilà, avec un artiste, par exemple, je peux citer, il y a Lydia Martinico, qui parfois chante avec Nicole Croisille et qui a travaillé avec Henri Salvador et qui sera là cette année. Voilà. Et puis, nous avons tous les jours, dans la salle des fêtes, une animation, un spectacle. Et cette année, nous avons quelque chose de tout à fait nouveau, puisque nous avons un show cooking. Le mardi, c'est la griffe avec Giuseppe Sarnella, qui est donc président de la griffe, qui est un hôtel 5 étoiles à Rome, et qui nous offre la possibilité, avec un chef italien et un chef français, de déguster sur place et surtout de voir comment se fait la cuisine française et italienne avec deux recettes en salle des fêtes. Et ça, c'est quand même, je vais dire, une nouveauté que nous n'avions jamais fait jusqu'à présent. Voilà. Il ne faut pas oublier, entre parenthèses, que Jacqueline Zanavictor est une véritable protagoniste des relations culturelles entre les deux capitales de l'Italie et de la France, entre Rome et Paris. Et en effet, même au niveau de l'organisation de sa vie, elle partage son temps entre ces deux villes d'une manière assez systématique. Et deux villes, donc c'est le seul jumelage que la mairie de Paris a fait depuis plus de 60 ans. Et on a décliné, si vous voulez, le 13e arrondissement, maintenant, est jumelé avec le Centro Storico, la première circonscription de Rome, où Sabrina Alfonsi a été réélue dans la première circonscription. Et elle vient cette année, elle viendra le vendredi 30 juin, c'est la première fois d'ailleurs, pour participer à la semaine Roma-Parigi, Parigi-Roma. Ça, c'est très intéressant. Permettez-moi d'insister encore un petit instant sur ce point. C'est-à-dire que la ville de Paris a bien entendu des relations cordiales avec Londres, Madrid, Berlin et les autres capitales européennes, mais le seul jumelage, c'est le jumelage Rome-Paris. Rome-Paris, oui. Oui. Voilà, donc qui dure de longues années, puisque au moins plus de 10 ans, 11 ans peut-être, et depuis 9 ans, il y a une semaine, Rome-Parigi, qui s'appelait avant les Jours de France, à Rome, au mois de mars. Donc voilà, donc on a une semaine italienne
qui se passe toujours en juin, et une semaine Roma-Parigi en mars à Rome. Alors cette année, le thème, vous savez, chaque année nous cherchons un thème qui puisse rassembler un peu à la fois les habitants du 13e et les autres, et aussi un thème d'actualité. Alors on a choisi, donc vous savez que Marcello Mastroianni est mort il y a plus de 20 ans maintenant, 21 ans, donc on fait un hommage à Marcello Mastroianni à la fois par une exposition des archives Riccardi qui sont à Rome installées, et aussi le jeudi 29 par la projection au cinéma L'Escurial, qui est notre partenaire, du Bel Antonio, et qui sera présenté et animé par Michele Canonica et Paolo Modugno, avec nos sponsors qui est la BNP. Voilà. Donc ça aussi c'est un moment important. Et n'oublions pas que Marcello Mastroianni peut être le plus internationalement connu des artistes, des acteurs italiens de sa génération, est mort justement à Paris en décembre 2016, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et il est juste de le rappeler. D'ailleurs, il avait tourné plusieurs films en France, et une partie de sa vie privée aussi était en France. Était française. Absolument. Donc, pour illustrer, donc on a Marcello Mastroianni, et puis pour illustrer, si vous voulez, le thème l'immigration italienne, le lundi 26, nous avons deux siècles d'immigration italienne en France, une conférence qui sera présentée, animée par Alberto Toscano, qui est tout le monde connaît, qui est un grand journaliste, le professeur Raniero, c'est ça ? Raniero. Oui. Et Michele Canonica, tu pourrais en dire quelques mots peut-être sur ce... Oui, je pense que cette attention sur l'immigration italienne en France comporte un regard nouveau. Jusqu'il y a quelques années, on pensait à l'émigration et à l'immigration comme à des phénomènes de déracinement radical. Il y avait des gens qui quittaient leur pays pour se transférer dans un autre pays, donc pour renoncer à une partie de leur culture et pour se marier, pour ainsi dire, avec une autre culture, la culture du pays d'accueil. Aujourd'hui, dans l'actuel contexte d'intégration européenne et aussi de mondialisation, il est évident qu'il y a des gens qui se déplacent, non pas pour renoncer à leur identité, mais pour compléter leur identité avec une sorte de métissage culturel avec d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres hiérarchies de valeurs. Donc là, il s'agit de réfléchir sur l'importance de ce que les Italiens ont trouvé, ont obtenu et ont appris en France, mais en même temps sur ce qu'ils ont apporté à la vie française en termes, encore une fois, de culture, mais aussi de créativité économique. C'est une nouvelle façon de concevoir les phénomènes d'émigration-immigration. Et comme vous le savez, il y a eu une belle exposition qui a eu lieu à Paris et qui est toujours en cours. Ciao Italia. Exactement. Donc, au musée de l'immigration. Exact. Donc ce débat qui s'annonce très intéressant pour le 26 juin veut toucher à toute cette problématique. N'oublions pas que les relations entre la France et l'Italie sont profondes, remontent à l'Antiquité, remontent à l'époque de la conquête romaine de la Gaule, de Jules César et vers Saint-Gétorix. Mais pour arriver à des époques plus récentes, il y a eu la Renaissance, les reines florentines en France. C'est-à-dire, c'est une longue histoire
de collaboration, d'affrontement aussi, comme c'est normal dans l'histoire, mais de toute manière... Mais d'amitié aussi. D'amitié, mais ce sont des relations très profondes. N'oublions pas, pour en terminer sur ce point, l'importance de l'apport de la France dans le processus de l'unité politique de l'Italie au XIXe siècle. C'était à l'époque de Napoléon III que les Italiens ont trouvé dans les Français les meilleurs alliés pour bâtir leur unité politique. Donc c'est une relation vraiment très profonde et sur laquelle c'est la peine de réfléchir aujourd'hui avec un regard sans préjugés, un regard attentif, curieux et avec la plus grande participation, même émotionnelle. Mais il y a un musée à Rome, Napoléon, qu'on a visité, et puis Garibaldi aussi. Bien sûr. Donc tout ça fait partie de ces relations entre la France et l'Italie. Alors toujours pour vous parler un petit peu de la programmation, le mercredi 28 juin, il y a Paola Donzel en salle des fêtes, que j'ai eu la chance d'écouter à Paris, et vraiment je vous invite, elle est bien accompagnée, elle chante en français et en italien, et ça sera un très très beau spectacle. De même, je vous invite Angela Mico, que j'ai écoutée au Festival d'Avignon l'année dernière, donc le vendredi 30 juin, où elle raconte son voyage en Italie, comment elle est arrivée avec sa valise, ses chansons, son parcours, et ça cadrait tout à fait. Et puis, nous avons aussi, grâce à l'Institut culturel italien, qui a permis d'avoir ce très très beau, le lundi 3 juillet, donc il y a une rencontre autour de « C'est moi, c'est le Rital, mémoire de l'émigration italienne ». Et il y aura donc un film qui sera projeté. Cette rencontre, le film a été fait, c'est un film documentaire de Chiarello. Et il y aura sûrement Fabio Gambaro. Et ce grand écrivain Tonino, que tu connais, Benacquista, qui viendra aussi, donc ça sera une très belle soirée. Tonino Benacquista. Benacquista, qui est un immense écrivain. Écrivain célèbre et scénariste, auteur entre autres de Polar, oui. Très connu par le public français, mais aussi par le public italien. Donc c'est vraiment un écrivain qui arrive à saisir la double sensibilité italienne et française. Et je remercie l'Institut culturel italien et Fabio Gamparo, puisque c'est ce que nous offre l'Institut culturel, et donc c'est en collaboration, si vous voulez, avec la mairie du 13e. Et tout à fait. Donc ça clôturera, si vous voulez, donc la semaine italienne qui se terminera le 3 juillet. Voilà, et puis comme je vous ai dit, il y a trois expos. Il y a donc l'expo dont je vous ai parlé sur Marcello Mastroianni, et puis une expo qui a été créée avec les célébrités italiennes, c'est-à-dire d'origine italienne et qui sont devenues français par la suite. Oui, donc, là il y a par exemple le grand peintre Modigliani, qui était un juif toscan, qui a trouvé à Paris l'occasion d'exprimer son talent. Il y a Yves Montand, Pierre Santini, de grands artistes qui étaient d'origine italienne et qui ont été adoptés par la France. Tout à fait, et qui sont donc devenus des artistes professionnellement français, sans oublier bien sûr l'importance de leurs racines italiennes. Je vois que comme d'habitude, il y a une sélection de films italiens au cinéma L'Escurial pour les cinéphiles qui est notre français, partenaire, qui aiment le cinéma italien. Il y a vraiment des perles. Parce que folle de joie. L'Elcide, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre récent, de 2016, pour démentir ceux qui disent que le cinéma italien
est finie. Non, il y a encore aujourd'hui des films. Et Les Confessions, qui est magnifique, avec Tony Serville. Avec Tony Serville, qui est une merveille. Exactement, année 2017, donc produit cette même année 2017. Fait de beaux rêves de 2016, autre film très touchant, émouvant. Qui a obtenu un grand succès international, non seulement en France et en Italie, mais aussi dans plusieurs pays. Donc, à l'Escurial, vous pouvez trouver. Et puis, là, je. Plus ancien, la pauvre page, millionnaire. Il boom. Mais oui, il boom. Alors, c'est un classique de 63, donc d'il y a plus de 50 ans. Un chef-d'œuvre qui porte la signature de Vittorio De Sica. Et avec Alberto Sordi comme acteur. Et puis tu nous avais dit, quand tu as présenté le livre de Jean Gilly à Rome, tu nous avais dit l'amitié forte qui existait entre Vittorio De Sica et Marcello Mastroianni. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, il y avait un décalage de génération. Oui, Mastroianni mais... avait une attitude de grand respect vis-à-vis de cette sorte de grand-oncle, n'est-ce pas? Et il lui demandait des conseils et aussi demandait son soutien pour ses débuts dans le monde du cinéma. De Sica lui disait, non mais tu dois étudier, il faut de la patience. À ton âge, il faut se consacrer à des études sérieuses et ne pas être trop impatient. Tu vas voir si tu as du talent. Cela sera reconnu. Et il était très lié aussi à Sophia Loren. Bien sûr. Il avait joué, et puis Claudia Cardinale, bien entendu. Et puis, n'oublions pas aussi son amitié pour Fellini. Bien sûr. Là, je vois aussi que parmi les films qui seront présentés, il y a Il Bell'Antonio. Vous savez bien... Le jeudi 29 qui sera présenté. Voilà. Alors, vous savez bien que Mastroianni était considéré un peu comme le symbole du Latin Lover. Il n'aimait pas cette image. Il Bell'Antonio, c'est un impuissant. Donc, c'est un très beau garçon qui est en mesure de plaire aux filles et notamment à son épouse, mais il a cette limite sexuelle et donc cela donne lieu à des situations qui sont tragi-comiques. Et là, c'est un autre chef-d'œuvre qui porte la signature du grand metteur en scène Mauro Bolognini et qui est tiré d'un roman de Vitaliano Brancati, le grand écrivain catane, écrivain sicilien. Qui, hélas, a disparu depuis longtemps. Mais enfin, là, il y a toute une série de films qui sont de véritables perles. Je la connaissais bien, la conoscevo bene. Autre, avec Stefania Sandrelli, très, très jeune, signé par Antonio Pietrangeli. Enfin, vous avez de quoi vous régaler. Donc, la semaine italienne, encore une fois, ne déçoit pas ses habitués. Et le mérite, bien sûr, doit être reconnu à Jacqueline. Non, c'est un ensemble. Donc, je voudrais aussi remercier le maire, Jérôme Coumet, qui chaque année participe à cette semaine italienne. Et grâce à lui, nous pouvons la faire aussi. Et je suis ravie que Sabrina Alfonsi, présidente du premier arrondissement de Rome, puisse venir. Et c'est la première fois qu'elle vient, donc nous allons la recevoir avec un grand plaisir. Pour trouver ces informations, il faut aller, bien sûr, il y a ce programme sous forme papier, mais on peut aussi aller sur le site de la mairie du 13e, donc l'adresse c'est www.mairie13.paris.fr. Alors là, vous trouvez absolument tout ce qui vous sert pour vous orienter sur les attraits de cette édition 2017 de la Semaine italienne. Encore un mot pour conclure sur les partenaires, parce que ce n'est pas uniquement l'initiative de la mairie du 13e, il y a plusieurs organismes italiens et français qui ont donné leur soutien et leur collaboration. Absolument. Donc absolument. Là, on a cité le cinéma L'Escurial,
La BNP, qui est notre partenaire aussi. Voilà. Il y a... La Griffe, qui est, dont je vous ai parlé, où il y a ce repas qui est de cuisine française et italienne. Il y a la Dante Alighieri. Il y a Rome, bien sûr, qui est présent, la ville de Rome. La mairie de Paris, n'oublions pas. La mairie de Paris. Et il y a le consulat général d'Italie. L'ambassade. L'ambassade d'Italie en France. Il y a l'archivio Riccardi concernant les belles photos dont on a... Marcello Mastroianni. Voilà. La Voce. La Voce qui est le journal donc choisi par la mairie du 13e pour parler de la semaine italienne. Voilà, donc là peut-être on a oublié quelque chose, mais de toute manière, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a le musée de l'histoire de l'immigration aussi, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de souligner que la mairie du 13e n'est pas seule dans l'organisation de cet événement, car cet événement, au fil du temps, a pris de plus en plus de crédibilité. Bien et sûr. Donc, il y a plusieurs organismes qui souhaitent s'associer et fournir leur apport. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci Jacqueline Zanavictor et merci à toute son équipe. Et un remerciement particulier au maire. Absolument. Du 13e arrondissement. Jérôme Coumet, et puis on vous attend dès le 23 juin. Jusqu'au 3 juillet inclus. Voilà. Grazie. Grazie mille. Ci vedremo.